Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Valoum Live, on est là pour continuer ça. Alors, du coup, en fait, Elfia, j'ai les DLC, c'est ça qui s'est téléchargé tout à l'heure. Sauf que j'ai pas de niveau, donc je vais faire ça. Et du coup, ah, mais non, il y a encore des quêtes ici à faire. Faisons des quêtes annexes. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, des quêtes annexes? Je ne sais moi-même pas ce que c'est. Et pourtant, je l'ai fait. Et ils vont redire encore les mêmes absurdités. Absurdités, non. Étrange, ces corps Non, c'est abandonnés pas cette ainsi. touche-là. Leur bonheur ou Laissez en dans le sa sel. faute. C'est moi plus tard, regardez, quand je vais mourir, on va me mettre comme ça. Tu dois vraiment aimer le jeu. Oui! Oui. Monsieur l'embaumeur, vous avez trop de travail? Il y a trop de morts? Bonjour. Une honte de voir trois morts laissés à l'abandon. Que s'est-il passé? On vient de les amener, Medjay. Une famille massacrée à coups d'épée. Seule Iras l'a tué. Tu auras la fosse commune. Oh merde. Elle a porté Le les morts caveau jusqu'ici familial de sous son 500 000 bras. mètres carrés La pauvre. ne m'ira pas. Elle est seule désormais. Une vraie tragédie. Une tragédie. Où est-elle partie? Tu la trouveras à la ferme de dattes abandonnée près de la route. Oh, des Là où dattes. on a tous les équipes. Ça c'est bon ça. C'est très cliché sur le sur l'Égypte, mais c'est bon. Chameau. Appelez. Bah. Mais c'est nu. Qui n'a aucun respect vis-à-vis des hérons. Par contre, c'est moi ou le chameau, il va pas plus vite que moi. Tiens, de fond sonore pendant que je construis des trucs. Mais vas-y, construis, construis. Je ne sais pas ce que tu construis, mais construis. Il te protège. Oh, il m'a protégé contre un héron. Donne-moi ta peau. Donne-moi ta peau. Donne-moi ta peau. Ah, fabrication C'est possible. honteux! Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ça non. Ça non. Ça non. Ça? Oui! Augmente les dégâts de l'arc. Mais oui, bien sûr. Prends un cheval. Eh ben je prendrai un cheval. Oh, ça c'est des dattiers, je croyais que c'était des palmiers. Mais pas du tout. Les soldats. Ou bien. Doivent chercher Iras. Mieux vaut se C'est cacher. nu. Eh ben, je pense que quand je jouais dans mon coin, j'ai fait les quêtes secondaires parce que... Tu as une nouvelle monture. Peut-être un cheval. Ah oui, parce que j'ai eu les DLC du coup. Ça me dit quelque chose. Non, mais je suis caché. Voyons. Merde, j'ai plus de flèches. Oups. Ah putain, j'ai pas de bois. Mais où est-ce qu'on récupère du bois d'ailleurs? Je veux bien être gentil, mais... Faut taper dans les arbres. Hop, les personnes n'ont rien vu. Démonte tes arcs non utilisés. Oh, merci Alfia. Oh, j'avais pas vu ça. Hein? Ah, si, attaque ou dégâts, d'accord. Ah merde, je suis en train de démonter quelqu'un. Ouais, c'est bon, je le démonte plus. Arc léger, arc de chasseur. Je vais faire que les bleus, hein, pour l'instant. Est-ce que j'ai une arme? Bien évidemment. Merci des DLC. Oh, des épées incurvées, tiens. Pour te faire honneur, Elfia.
Vu que tu as dit que tu aimais bien ces machins là. Ah merde, t'as du bronze, ça que j'ai. Merde, du coup j'ai pas fabriqué mes flèches. Oups. Ah, alors, j'ai pas fabriqué du tout de flèches. Comment on fabrique des flèches ? Avec l'arc, ça? Bah, ça j'ai fabriqué en fait, mais ça augmente le nombre de... Ça augmente le nombre de... Ah non, ça j'ai augmenté en fait, ça augmente le nombre de flèches que tu peux emporter, mais ça en fabrique pas. Tiens, monture d'ailleurs. Oh, un chameau. Un cheval et un cheval. On va prendre lui. Pourquoi il y a des grandes dents? Bon bah, hein. On va y aller à l'ancienne. Hop les. Ça se trouve, je ne peux pas encore fabriquer. Connais Backdoor. Les Backdoor, le mythe, enfin le creepy, ça moitié un creepypasta. Elle est dans le puits. Prions pour qu'aucun soldat ne l'ait entendu. Tiens. Pourquoi il me dit que je les assassine alors que pas du tout en fait. Dépêchez-vous de la trouver. J'ai un cochon qui Bonjour. Rôtit à la... Tiens, tu vas voir si t'as un cochon qui rôtit. On peut au moins, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas une aptitude, genre... Chasseur. Fouille après assassinat, ok. Série de meurtres discrets. Porteur d'arc. Harcèlement d'aigle. Arc de chasseur amélioré. Arc nanana. Flèche brisante. Détection d'aigle. Peut-être dans inventaire. Ah non. Bon, j'ai des flèches légères. Du coup, pour l'instant, je vais mettre un arc léger. Quoi? C'était quoi ça? Je m'y attendais pas. Tchou. En train de construire sur Falut. Paix à toi, Iras. Je veux simplement te parler. Le dernier à avoir dit ça a tué ma famille. Je suis là pour t'aider, Iras. Comment est-ce que tu connais mon nom? Un prêtre m'a parlé de toi. Ah. Fabriquer des flèches en... Non, Odyssée, non. J'ai mis les Origins. Les a jamais cultivé. Un soldat est venu. Comment est-ce qu'on fabrique les Il flèches a dit que son maître possédait un acte de Que soit invité chez un forgeron, sinon les camps et zones interdites retrouvera souvent des sortes de trucs pour ranger les flèches. Ok. C'est ce qu'ils ont fait. Et toi, que feras-tu? Donc en fait, apparemment, tu voilà, revient. Tu peux pas en fabriquer. J'y travaillerai jusqu'à ma mort. Pardon, excuse-moi, madame. J'ai pas fait attention à ce que tu disais. J'en avais rien là-bas. Tu peux essayer. La villa dont ils ont parlé se trouve au nord-est, sur la route d'Alexandrie. Effectivement, on a lu le même. Si tu échoues, dis au monde que je suis morte en protégeant les biens de ma famille. Eh, ça va, elle est un peu sur les nerfs, hein, la dame, là. Des drachmes. C'est pas des drachmes, faut que j'arrête de dire que c'est des drachmes. Les drachmes, c'est dans Odyssée. C'est quoi comme... Un sistre. En fait, on n'est pas du tout un voleur. Par contre, toi, tu es vivant. Voilà, merci. Ah. Le dada.
Data. Pourquoi il a une tête de Pégase Des roupies? Non, je crois pas que ce soit des roupies. Attends, inventaire. Merde, y'a pas. Vendez vos objets dans une boutique pour... Non. On ne sait pas. Des PO? Ouais, bah oui. C'est ça. Des PO. On va appeler ça des PO, comme ça. Ah, je m'en vais à Alexandrie, en fait. Naturellement. C'est drôle, ça. En captivité qui pue là, avec une belle peau de tigre. Par contre, c'est nu. Il n'y a pas de méchant. Si là-dedans, il va y avoir des flèches. Oui, le jeu, on se calme. J'ai compris. J'ai monté de niveau. Tout doucement. Hop les, allez viens avec moi. Y a personne caché là-haut? Non. Oh mais ce goujon. Tiens, UT refuse de me donner la ferme aux dates. Ce chien dit que mon acte de vente est un fou. Il faut qu'il meure, sa famille aussi. Fais en sorte que ça ressemble à un accident et nous partagerons les profits de la ferme. Pour l'instant, tes hommes peuvent s'installer dans ma villa à la campagne. N'espère pas abuser de mon hospitalité. Si je n'ai pas devant ma porte Alexandrie d'ici deux décades, tu peux te considérer comme un homme mort toi aussi. Oh, bah il a l'air gentil, lui. Encore un homme devenu boucher. Non, t'as pas entendu quelqu'un qui se fait assassiner derrière toi. Ramasse pas les PO des gens qui tuent. Oui, alors c'est parce que j'ai pas encore mis le... l'aptitude. J'ai qu'un point, il en faut deux. Fouille après assassinat. Baloum, baloum. Merde, y'a un mec. J'avais pas vu, moi. Tada! Hop les... J'essaye de penser et d'appuyer sur triangle. Attends, elle est où la bête? Elle est là. La bête, elle est comment? Ah, oh, elle était bonne. Garçon indigestif. C'est toi la bête? C'est perturbant les trois flèches. Aïe. Les trois flèches. Mais non. Mais sors de là. C'est joli avec le... Je sais pas ce que ça fait, mais c'est joli. D'ailleurs, il doit avoir un truc de flèche. Oh merde. Oh merde, il y a un monsieur là-bas. Est-ce que vous avez un support de flèche, monsieur? Oh merde, ils sont deux. Bonjour. Ah merde, quand même. Il faut que je me réhabitue au jeu déjà. Merde, j'ai plus de flèches. En masse. Ça les marque en petites flèches. Ah, peut-être pas, hein. Ah, pour l'instant... Ah, pas l'aigle, vue d'aigle, comme ça. Ah, merci Elfia. J'en connais Mephisto. Ah bah bravo. Du coup, je vais remettre l'arc normal, parce que ça me perturbe pour l'instant. Aïe. Elles sont mortes? Ah non.
Ah non, on peut pas récupérer de peau là-dessus. Pardon. J'ai encore tué un être innocent. Mais allez, grimpe. Oups. Mais je pensais qu'elle me donnerait une peau. Enfin, un cuir. Rejoins Alexandrie. Non, mais oui, mais non. Les humains sont témoins. Je viens t'aider, Aya. Non, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Cuir moustache. Cuir moustache. Objectif à proximité. Je sens qu'Alexandrie, il va... Oh. Quoi? Mais pourquoi j'ai des flèches en feu? Voilà, plein de cuir, oui. Ah. Pour la discrétion, ça va être compliqué. Je pense. Avec cet arc... En feu, ah oui. Et mon arme, du coup, elle était bleue. Poison, ah. Bon, ça m'aide pas, du coup, qu'il soit en... Parce que si je veux être discret, que j'arrive, que je fous le feu... Bazar ambulant, acheté. Graphite et coffre EK. Continue une arme ou un bouclier rare ou légendaire. Super. Est-ce que c'est le même bonhomme que dans Valhalla? C'est le même gamin que dans Valhalla? Vous croyez? Je pense pas. Ah, c'est lui? D'accord. Ah bah tu vois, j'ai dit ça en rigolant, mais... Putain, ça coûte cher de les améliorer, les légendaires, par contre. Bonjour. T'attaques à vue par ici. Ah bien. Mais ils vont pas me voir. Ah bouf. Bon. Aïe. Mais qu'ils y font? Mais... Messieurs, je suis là. Wouhou. Ah, c'est parce qu'ils essaient... Ah, faut tuer lui, en fait, d'accord. Oh, ouais. Digne de la vie que oh merde, je l'avais empoisonné. Je revois Iras. Je lui annoncerai la nouvelle. J'avais pas vu. Oups. J'avais pas compris qu'il fallait que je tue un mec, en fait. Je pensais tuer les mecs et puis après voir ce qui allait se passer autour, mais... Pas du tout. Jusqu'à sa mort, c'est ça. Uther refuse de me donner la ferme aux dates. Ah bah merde, c'est le même message. Putain, mais il se fait chier à écrire plusieurs fois le même message. Je vais aller faire... aller synchroniser ça pour pouvoir revenir à Alexandrie. Bah non, je peux revenir là, donc très bien. Il n'y a plus rien ? Si, il y a ça là, mais ça on le fera plus tard, je pense. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Ok. Merde, une statue de Pnonyonyé. Et j'ai pas vu. Bon, bah on va voir Aya hein, déjà. Hein. C'est celle avec qui on. Tu lis les quêtes. J'avoue que là je l'ai pas. Oups. J'ai compris le principe de la quête, mais j'avoue que ce morceau-là, j'avais pas. Ça arrive, hein. Faut pas être parfait. Hein. Oui. Ah. Heureusement que j'étais mouillé, hein. Et plein de sang. T'inquiète pas les gens de voir un mec passer plein de sang.
Qu'il n'y a pas de crocodile, ah, ça aurait été con. Bah, il y aurait plus de moi en fait. Allez, la grande bibliothèque d'Alexandrie. Zone interdite. Je me rappelle quand même que sur Odyssée, les premiers camps comme ça que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était le bordel de savoir où étaient les ennemis avec les renforts et tout. Je trouvais que c'était beaucoup trop le bordel, enfin. Le mec là, qui avait beaucoup trop de gens d'ailleurs. Là, d'or, ok. Bon. Avec mon arc qui enflamme les gens, ça va être discret ça. Je vais repasser un arc qui fait moins de dégâts. Mais qui au moins est plus discret. Pour l'instant. Qu'est-ce que je fais là? Oui! Accroche-toi! Non, monte! Fais dodo! Tu vois la lame d'assassin? Oui. Non, mais là, je vais le faire ce camp-là. Tu vois, j'ai envie. Je peux leur lâcher un fauve à la gueule? Normalement, oui. Je suis pas sûr qu'il y ait un fauve dans la cage en fait. Non merde. Ah là par contre ça peut être plaisant ça. Est-ce que ça va être discret va ben je doute quant à la discrétion du truc. Ah oui. Non mais c'est pas moi, je suis pas là. Mais non, y a personne, je suis pas là. Merde. Et je t'ai vu toi, vas-y descends. Mais qui qu'il faut. Merde. Ça y est, on a marre, il y a mal là-bas. Si tu doutes, y a la redoute, ça doit être ça. Attendez monsieur. Aïe. Merci. Ah bah voilà. Tout va bien. Je sais pas. Oh merde, il en reste un. Bonjour. Où est le deuxième trésor, c'est nu. Ah, ça c'est le Capitano. Allez, c'est nu. Oui, c'est le deuxième trésor. Qui est... Où? En dessous du premier? Là, ok. Merde, pardon. Je voulais pas rentrer dedans. En cherchant une femme armée dangereuse soupçonnée du meurtre du noble Actéon. On prenait quelques hommes et cherchait dans le quartier égyptien, c'est probablement là qu'elle se cachait. Elle résiste, n'hésitez pas à la tuer. Dans le quartier égyptien. Il y a un quartier égyptien à Alexandrie. C'est comme s'il y avait un quartier français à Paris, quoi. C'est. Bon, lui tranquille, il a continué à dormir. Oui, il est mort, yes. Tada! Easy peasy! C'est quoi?
quand le salaire moyen dépasse 4000 et encore, t'as un 20 mètres carrés avec 4000 balles par mois. Si tes parents sont pas rentiers avec plusieurs millions d'euros, tu peux pas louer déjà. Au galos ? Est-ce que ça vous... Est-ce qu'il voulait que son cheval accélère en disant ça ? Mais... Attends, on n'est pas du tout en Égypte, là, on est en Grèce. C'est des motifs grecs qu'il a sur la gueule. C'est pour ça qu'il me parlait de... Mais Alexandrie est pas grecque à ce moment-là, on sait jamais. Je sais pas, hein, je dis un truc... Ou le serpent a sa réponse. Sarapis. Quoi ? Qui dit ? Salut le gamer! Comment vas-tu? C'est quelle année déjà? Dans ce jeu là? Oh, pff, alors là. J'arrive déjà à peine à me rappeler de l'année qu'on est actuellement. Pourquoi je monte? Bon. Je suis monté pour rien! Je vais mourir pour rien! Oh, c'était le moment que je lâche ça. Ah oui, en retard, j'ai 10 secondes de retard, mais tout va bien. Mais c'est pas Aya, ça. Mais c'est Poséidon. Ah non, c'est Hadès. Je suis con. Avec la fourche et le chien à trois têtes. Très bien. Sarapis. Ah, Hadès, c'est maintenant. Sarapis. Où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Tragicomics ? Tu es Bayek. Aya a hâte de te voir. Elle va bien ? Vite, suis-moi. Ok. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais. Toi, tu as l'air d'être poilu, c'est dégueulasse. Cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses aux vers d'Homère, hein? Par ici, viens. Non, j'aime les vers de terre. Phanos. Ah, oui, Phanos. Tu es très caché. Ravi oh, mon Dieu, ça passe sur Twitch, ça? Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante. C'est quoi cette façon de marcher, là? Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant. Il est passé ton message, oui, fondé en 331 avant notre ère par Alexandre le Grand. La cité a été durant l'époque hellénistique la plus grande ville du monde grec. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle... Donc, étant donné qu'il y a Hadès... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que... Il n'a toujours rien dit. Je pense que ça fait plus grec que... Ça fait effectivement plus grec que qu'égyptien. On doit être dans cette époque. Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. What? Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. Ah non. Il n'y a pas de porte. Ah bah si. Oui. Mais. Oui. Mais non. Oui. Ah oui. Oh putain, le mec il a plongé mais sans voir ce qu'il y avait en dessous. Le mec a confiance en lui-même quand même. Et au fait d'être fait en scénarium, mais après ça c'est autre chose. Toc, toc, toc. Tu m'as manqué. Je m'y attendais pas, ça. Ah bah bravo. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kémo. Soyons heureux d'être ensemble. Sans Atreus. L'un pour l'autre. Ce qu'il est, je ça. J'ai des nouvelles. Mmh.
Les cicatrices de la justice. Ah. Je m'en suis servi pour frapper mes Dunamun. C'est l'image créée par Animus, oui. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc... En fait, l'ordre des assassins est né du... Est né d'un mec qui veut juste venger son fils, en fait. C'est con qu'une des sagas... Ah, bah voilà. Une des plus grosses sagas des 20 dernières années se soit basée sur... Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. Ouais, tu se fais raser... J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre? Je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans sa... Ah bah sympa, tu me rases avec après. Tu l'as nettoyé, j'espère. Aïe. Ah du coup, pas de cheveux, une barbe, ça fait moche. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Bien à la fin. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Ah. Cachez vos yeux, les enfants. Ah non, ça regarde va. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Ah! Cléopâtre? Elle a été déclarée hors la loi. C'est en même temps que Cléopâtre, alors. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Oh. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. Perse, oui, il me semble. J'irai au palais. Ça me dit quelque chose dans Odyssée Xerxès, je sais pas pourquoi. Et je me servirai de ceci. Tu apprendras beaucoup de choses dans le bureau du scribe royal. Et pas fou. Voilà, hop, je prends ça direct. Fouille le palais en son absence. Quoi? Mia! Tu dois rester ici parce que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Où est le bureau du scribe? Ah non, ça a raison, je dois rencontrer Apollodorus sur lui avec Théo Yemenini. Ok. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au panéon lorsque tu auras tué. Qu'est-ce que c'est? Ah merde, c'est beau, un partir. Chemin qui mène au quai. Je n'arrive pas à croire que Phanos t'ait fait passer par la fosse. Alors par contre, je suis désolé, mais il va falloir passer un petit coup de balai ici. C'est ton lit, ça? Je te retrouverai au panéon lorsque tu auras tué le serpent. Ah, c'est au moins 5 étoiles. Mon cœur se languit déjà de te revoir. J'ai presque l'impression au niveau de l'époque que Bayek et Alexios se soient à peu près dans les mêmes moments. Hein. Ah ben voilà, c'est à moi. Et comment je ressors? La porte, elle est où? Elle est là. Je passe au bain. Oui, t'inquiète, fais. Et ça met nous ça? Ici, ok. Bon, nous voilà Alexandrie. Oh, on peut monter en haut du phare. Très drôle. On a des quêtes secondaires à faire. Celle-là. Maintenant que j'ai la lame. Il est temps. Hein. Merde, pardon. Oups, tu es empoisonné. Ça va, monsieur? Pas l'heure d'aller. Trirem à quai d'Emporion.
minutes maintenant. J'ai besoin de quelqu'un pour un travail rapide. C'est bien payé. Non, pas toi, pas ton chemin. Ne t'arrête pas. C'est raciste. Toi, ton insigne. Tu es un homme d'honneur. Ils sont devenus si rares. Pourquoi t'as un anneau de Sonic autour du cou? Je résous les problèmes. Bien, j'en ai un. Un trésor extrêmement précieux. Qui doit être livré aujourd'hui. Ah bah ça donne tu seras bien payé pour ce travail, crois-moi. D'ailleurs, voilà déjà quelques drachmes. Pas ah, des c'est des drachmes aussi déjà alors. Bien, affaire en j'avais raison. Suis-moi. Ils ont dû prendre la monnaie grecque, du coup. Ce que je vais te demander est de la plus... Sonic est intemporel. Le métier de marchand n'est pas une tâche facile. Expédier des peaux de tigre et des statues n'a rien de simple, crois-moi. Ah, ces ouvriers, jamais là où on leur demande d'être. Ou alors c'est l'ancêtre de Sonic, disais, mais vu la vitesse qu'il va... Oh, et ne te laisse pas distraire. Si c'est le cas, je le saurai. C'est tout ce qu'il me reste après la crue. Tu as l'air d'y tenir à ta... cargaison. Je le jure sur le tombeau de sa mère. Elle a été envoyée par les dieux pour embellir Alexandrie. Elle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une dame ? Ah oui, c'est une dame. Tu as ton garde du corps, Kara. Et que ça ne se passe pas comme la dernière fois, ma fille. Attends, ah, c'est ta fille. Tu m'as jamais demandé de... Mais Jai, s'il ne lui arrive rien, je te promets que tu crouleras sous les drachmes. Toi, Kara, n'oublie pas la réception de ce soir. Montez d'antan jusqu'à l'époque. Tu seras prête, ma fille ? Regarde, elle est habillée en bleu, c'est parce que c'est la fille de Sonic. C'est logique. Je suis si heureuse que tu aies accepté de m'aider. Je vais te conduire chez toi, ne crains rien. Allez, viens. Oh, bien sûr. Merci, mon taureau. Te fais pas bou... Tu ressembles mon taureau. À Héraclès. Je vais peut-être t'appeler mon Héraclès. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas trop envie que tu m'appelles enfin, ton Héraclès. On change de cap, Héraclès. Hein ? Ah, pas question. Petite, ma tâche est de te ramener chez toi. Je ne veux pas. Tu connais les prêtres d'ici ? Quel ennui. Non, je dois aller au grand marché. J'ai entendu parler des torpédaires. Je veux en acheter. Sinon ? Je vais hurler. Ça attirera les soldats. Et là, même si tu leur survis, mon père te le fera payer. Oh, quelle petite salope ! Anubis emporte cette ville. Ce serait pas Sekhmet déguisé ? Il me mettrait à l'épreuve ? Hein ? Qui ça ? Oh, rien. Bien, allons d'abord chercher ma jument. On la traite de manière horrible quand je ne suis pas là. Il faudrait que quelqu'un nettoie ce toit. Je suis un chien-chien. J'adore cette partie de la ville. Elle est si rustique. C'est le quartier égyptien, quoi. Ça se sent dans l'air. Les gens vivent simplement ici. Les gens sont pauvres. Tu as appelé ton cheval Pégase. Je la renie. Je ne suis pas surpris. Réjouis-toi. C'est Pégase. Oh, la taille du cheval, toi. Quel plaisir de te revoir. Comme tu l'avais demandé, on a pris soin de ses pieds. Très bien. Était-ce si difficile ? Et sinon, pour ma paix ? Ton père m'a chargé de te ramener. Va te payer pour ton cheval. Je suis sûre que mon père serait mécontent que tu discutes de cela devant cet homme écuyer. Bien sûr, mais j'en parlerai à ton père. Oh, Pégase. Oh, la salope. Je sais que je t'ai manqué. Oh, oui. Voulais un gros coup de sabot dans la tronche. Si seulement tu avais des ailes. Bon, en route, garde du corps. Même sur sa tête, ça se voit que c'est une salope. C'est vrai qu'il faut... Super. J'en ai assez. Je te ramène chez toi, princesse Kara. Oh, c'est toujours pareil avec vous, les grands taciturnes. On ne peut jamais s'amuser. Les grands taciturnes. Tu t'es engagé à me ramener, tu te souviens ? Et si je partais ? Nous sommes complètement barbouillés, complètement. Elle profite qu'elles ont un entrejambe qui peut leur être utile. C'est là que j'ai eu ma première. Et une paire de seins pour faire la loi. Être très reconnaissant. Alors qu'elle devrait être notre égale. Nous devons aller acheter des étoffes au marché. Je vais te ramener chez toi comme le veut ton père, pas ailleurs. Allez, avance. Avance, c'est le cheval. Tu es en train de gâter mes chances de trouver les étoffes idéales. Ouais, bah c'est bien. Sorte d'étoffe. Distrais-la. Si tu vas distraire en lui parlant d'absurdité, va. C'est mes gardes du corps habituels. Oui. Tu pourrais aller plus vite, garde.
garde du corps. Eh, c'est ton cheval de merde, là. Bayek ? Enfin, tu te souviens de mon nom ? Je me souviens de toi. Tu l'as vraiment fou, c'est ça. Et nom de qui ? Mes gardes du corps. Quand je le peux, j'envoie des cadeaux à leur famille. Kara ? J'ai plus de famille. Kara ? Oui ? Ça te ferait plaisir si on allait chercher tes étoffes. C'est vrai ? Bien sûr ! Merci, Bayek. C'est calme aujourd'hui. Ok. Tu as un regard. Merci. Elle est dans mon dos, tu as un regard. Ah, la grande synagogue. C'est nouveau ça. Les fameuses grandes synagogues d'Égypte. Je vais prendre un bleu outre-mer et puis un bleu royal, merci. Qu'est-ce qu'il fait ? Enfin des étoffes qui sortent de l'ordinaire. Oh, ce que c'est lourd ! Tu veux bien m'aider ? Non. On n'a pas le choix. Oh, c'est pas lourd. Bayek ! Pégase ! On a volé mon cheval ! Reste ici, ne bouge pas ! Yeah. Lâche tes étoffes, bordel ! Bon, ça va, le cheval fait demi-tour, il est gentil. Je ne peux pas m'enfuir. Je vais te libérer la paix. Wow, 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 wow. Boing. C'était beau, ça. Le problème, c'est que les mecs, les gardes autour se mettent à m'attaquer. Il me tape, je suis mort. Voilà comment on boit qu'un jeu. Effectivement, c'est fait. Alors, je suis pas sûr. Il est temps de rentrer. C'est fait de façon chelou, mais c'est fait. Pégase. Ça me plaît. Joli nom pour un cheval. Je crois que tu plairais à Aya. Qu'est-ce que vous faites ici ? Papa, comme Pégase boitait, Bayek a pris soin de lui. Il m'a à peine quitté. Ah. J'ai entendu du vacarme, mais selon ma petite princesse, tu es le héros du jour. Peut-on en faire mon garde du corps permanent ? Non. Non. S'il te plaît, père. Combien cela coûterait-il d'embaucher un Medjay ? Je ne compte pas m'éterniser ici. Dommage. Alors, permets-moi de récompenser dignement les services d'un héros. Il va me donner 3 drachmes. Kalo. J'ai gagné combien ? 500. Ah, ça va. Bayek, tu reviens auprès de moi. Es-tu prêt à devenir mon Medjay personnel ? Toujours pas, non. Eh bien... Toujours pas. Attends, il y a quoi, là ? Ah, il y a un trésor, ok. Non, je continue. Tu vois...
Tu es crédule, Bayek. Je suis simplement heureuse de te voir en un seul morceau. Merci. Elle est gentille, en fait. Du corps de la ville. Vas-y, fais-moi de la pub. Et je serai riche. C'est parce que tu te fais piquer ton cheval et du coup, je te le récupère. Ah, le papyrus caché qui... Oh, a l'air bien caché, waouh. Impossible d'apaiser l'esprit en entraînant convenablement le corps, mais il faut que cela assiste aux réunions de l'assemblée, l'Ecclésia. Le gymnasiarque ne te demandera jamais de respecter tes devoirs, mon fils, mais accède à ma requête afin de m'attirer le respect des autres aînés de la Guérousia. Rien compris. J'ai lu un truc, j'ai rien compris. Mais tant pis. Pardon ? Je vais devoir être prudent. Attends, j'ai entendu la dame qui m'a appelé Pédès. Alors. Hein ? Non ? Nom d'assemblée de décision chez Grec. Merci, ma chère. Et tendre. Me faire choper pour rien, hop, voilà. Du coup, quand tu es un ecclésiastique, selon l'époque, c'est complètement différent. Tu ne savais pas ? Putain, c'est pour les chevaux. Tout s'explique. L'air du palais est bien plus respirable quand Eudoros n'est pas là pour te critiquer. La tournée qui a les discours. Ah, donc pas par moi en fait. J'aurais pas pu être le chef de ça quoi. Ameliso. Oh, mais c'est un zizi. Ah, ne regardez pas. Je suis désolé de montrer des zizi sur, sur Twitch. C'est pas volontaire de montrer ces zizi. Y'a quoi par là? Toc toc toc. Toc toc toc. Ah, c'est nu. Oui, d'accord. Et où? Ah, il est au-dessus. Je crois. Transmission par... D'accord. Je vais dormir beaucoup moins con ce soir. Je sens que je suis parti pour ce jeu pour... Ouah ! Pour y jouer pendant très longtemps. Parce que si je fais toutes les quêtes annexes, les machins, les trucs, les DLC, etc. Alors là, lui, bonjour. Peuple d'Alexandre. C'est poilu. Bayek. Enfin quelqu'un qui apprécie mon jeu. Tu t'amuses, complètement. On m'a confisqué ma pièce. Tu es doué pour les ennuis. Pire, ils ont osé arrêter mes acteurs. Putain, mes acteurs, ils sont pour rien. Parmi les meilleurs poètes de la ville. Ils disent que si je tente de faire jouer ma pièce, je serai mis à mort. Méfie-toi, Phanos. Tu es faible et fragile. Allez, chier. Contente-toi d'écrire. T'es faible, fragile, con. Oh, c'est pas possible. Niveau suggéré 20. Ah bah non. Comment ça se fait que toutes les quêtes, elles soient de ce niveau, là? C'est pas très joli, gentil.
Ah, quête niveau 10, ben voilà. Bon ben voilà, je ne suis pour rien. Ah si, j'ai récupéré la quête déjà. Est-ce que tu peux aller jusqu'au Maroc? Je ne pense pas, non. Tu vois, tu vas même... Là, il doit avoir la Libye. Avant. Et Maroc et Tunisie, ça doit être le morceau juste au-dessus, là. Et Algérie. L'Algérie, c'est plus... Ce qui est drôle, c'est que ça paraît très grand pour un jeu, mais très petit par rapport à la réalité, en fait. Parce que le jour où une ville, par rapport à la taille du truc, fait cette taille-là, c'est que Paris fait la taille d'un département, quoi. D'un vrai département. Parce que... Oh, dégage, toi. Je suis avec mon bouclier. Pom. Wow. Ah, le cheval qui monte les marches. Je pense que les chevaux... Pardon. Je pense qu'ils galèrent beaucoup plus, les chevaux, en vrai. Hein, à monter les marches. Après, il y a des jeux où ils montent des montagnes. Je dis pas la taille du jeu. Ah bah... Très bien. Quand tu vois que la carte d'Odyssée est bien plus grande. Donc lui c'est Sarapis et du coup c'est Hadès. On va falloir se rappeler de tout ça. Hein. Oui. Au début, faut avouer qu'il fonçait vers le... Il fonçait quand même sacrément vers le sol. De voir le Sarapeyon si calme. J'arrive derrière eux. Grand Sarapis. Es-tu aussi clément qu'Amon? Bienvenue, frère. Merci, prêtre. Je suis pas ton frère. Cela fait plaisir de voir revenir des Égyptiens. Depuis que mon tambour... est en prison. Sarapis. Ce silence est impressionnant. Dieu de l'Égypte ptolémaïque, dont le culte fut institué par le roi Ptolémée Ier. Son nom dérive de Ousser Api. Le pauvre avait pourtant travaillé pour lui. Une tragédie. Désignant en égyptien le taureau Apis mort et divinisé. C'est un dieu guérisseur participant des dieux helléniques. Hadès et Dionysos et du dieu égyptien Oniris. Mon tambour. Ah oui, donc en fait c'est un mélange de plein de trucs. Près de la bibliothèque. Que Sarapis t'accompagne. Toi aussi, prêtre. Ah, Osiris et Sarapis. Je vais la faire à chaque coup, celle-là. Sarapis Unite. Après les Kids United, et Sarapis United. À tes souhaits. Oui. Ah, tu vas mourir. Je cours plus vite que ton chameau. Laissez le passage. Aïe. Eh, la priorité à droite. Les piétons, c'est bien connu. Une petite traduction de ce que disent les gens, parce qu'en fait, globalement, là... J'ai l'impression qu'il pourrait dire n'importe quoi. Tant que c'est égyptien. Ben voilà. Bonne nuit, Vorlach. Enfin, d'avoir la trad, ça ne dit pas qu'il dit n'importe quoi. C'est ville d'achat. Ah bah bravo. Si jamais on me voit ici, oui, bah t'as déjà tout tué. Merde, bonjour. Un homme qui s'est soulevé des poids comme... C'est toi le tambour? Oui, comme moi. Et mon pied est blessé. Je te trouve bien joyeux. Pour un homme qui ne peut plus marcher. Tu veux rire? C'est le plus beau jour de ma vie. Mon pied va coûter cher à ce teneur.
Ta santé vaut sûrement plus que ça. Si je ne pouvais rien prouver, tu aurais raison. Mais c'est là. Il y a des momies dans la... sur le chemin. Arrête de bouger. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je peux me barrer, c'est bon. Couché, merci. Ah merde, faut lui parler en fait. Pardon. Que puis-je faire d'après toi? Trouvez les crétins qui l'ont volé. Rapportez cette peau et lavez mon honneur. Qui l'a volé, cette peau de lion? J'ai quitté des yeux cette peau de lion un instant et un voleur s'en est emparé et a filé. Je l'ai perdu dans la foule. Ah bah ça va être pratique. J'ai arrivé dans le quartier égyptien. Naturellement, les gardes m'ont accusé. C'est dur d'être égyptien à Alexandrie. Je vais aller les trouver. Vas-y, va chercher cette peau. Ça va aller. Il suffit que je repose ma jambe. Ensuite, j'irai voir le prêtre. Allez, va laver mon honneur. T'as pas besoin d'être avec moi en fait, tu peux te barrer. Donc casse-toi de mon cheval. Les bandits sont nombreux dans le quartier égyptien. C'est un peu raciste. Aussi. Mais léger. Comme les Américains qui disent oh bah le, tous les problèmes sont à Harlem, à New York. Non. L'honneur anéanti à propos de cette peau. Regarde, celui-là a l'insigne de médaille. Tada! Oh, pauvre bête. Bleu, ah oui. Une couleur pour un lion. Oh, c'est juste fait teinte, ça va. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Vos armes! On a des ennuis ici! Tiens, c'est qui a des ennuis d'ailleurs? Ah, oups, c'est toi. Oups, oups, oups. Ah bah, quelle motivation. Pardon, je traverse un temple. C'est qui? Ophélia Mimé. Sarah Payon, ça a l'air d'être là où il y a les temples d'un peu tous les dieux. Assez. C'est moi la victime ici. On m'a volé ma peau. Si tu veux la récupérer, tu paieras pour ses souffrances. Et tu te rachèteras à genoux devant Sarapis. C'est ça ta réponse, prêtre? L'extorsion? Bien. Je crains que le chemin soit long pour Sarapis et moi. Que ton voyage soit béni, frère. Oh merci. C'est gentil. Ah, il y a un autre truc à faire. Je suis prêt à servir Sarapis. Il le faut. C'est possible. Les gardes ont pris de la nourriture, prétendument au nom de Sarapis. Ils prélèvent un impôt, mais ils le détournent entièrement à leur profit. Ils l'apportent à leur arsenal et le partagent avec leurs fils à Kitaï. Le peuple. C'est pas bien ça. Et j'ai peur que ça ne s'aggrave. Ne t'inquiète pas, prêtre. Je vais m'occuper de ces vivres. J'attends. Oui, allez. Drôle de vie. Drôle de dîme. Patience, hein, bah alors, pourquoi? Pourquoi n'as-tu plus de patience? Sache qu'il va falloir que tu attendes 9 mois. Enfin, 8.
C'est Minini qui fait des bêtises. T'es toujours dans... Dans ton bain. Galos, bien sûr. Oui, c'est pour Minnie, effectivement, je vois. Merde. C'est honteux. Nous ferons bien meilleur. Tiens, couché, toi. Reste derrière moi. Ah, quand ils sont empoisonnés, par contre, ils prennent cher. Hein. Oh. C'est bon ? Qui qu'en veut ? Merde. Quelle visée ? Ah, il va falloir que je pilote ça là. Oh putain. Oh ça va, ça se pilote. Oh, à peu près bien. Pousse-toi le cheval. On est mal. Oh bah oui. Un Medja est censé protéger la population. Mais j'ai rien fait, je touche même pas la manette. S'il passe sous mes roues, j'y peux rien. Non. Non mais les mecs se jettent sous mes roues. Poussez-vous de là. Poussez-vous. Non mais j'ai rien fait. Sérieux. Viens là, toi. T'es quelqu'un en fonçant dedans. Non mais c'est ça, c'est comme si tu en actuellement on marchait sur la route et genre. Eh, je comprends pas. Bon, eh c'est bon. Ah mais oh putain. Merci. Tu peux tuer les poneys des autres, peut-être. Regardez, du foin pour vous. Ah non. Merde, pardon. Un chariot de vie. Ah, et là il meurt. Comme tu l'as demandé. Les gardes du pharaon sont ravis de t'en faire don. C'est plus que je n'espérais, Sémi. Sarapis servira la population aujourd'hui. Puisse-t-il te guider sur ta route, prêtre. Toi aussi, Medjay. En fait, une quête égale un tiers de niveau. Ah voilà, Exta. Prout. La classe, toujours. Comment ça va, Exta? Tu peux pas rater les quêtes. T'as de la chance, Exta, j'avais prévu de faire une pause dans maintenant. Je vais chercher la quête là, je fais ma pause. Du coup, j'ai plus rien à boire et j'ai soif. On va rester longtemps. Et ben moi, je vais faire une pause très vite. Entre deux heures par nuit, d'accord. L'un des filakès de Doros. Je ne suis pas un ami de Doros. Il n'a apporté que le malheur. Mais pourquoi il se regarde pas quand il se parle? Le grand poète et philosophe. Quand il a des puces, est-ce qu'Aristo gratte? Pour avoir écrit des choses magnifiques. Les mots sont des armes puissantes. Mon mari a trimé pour écrire son chef-d'œuvre. Des années. Ensuite, Doros l'a plagié et s'est approprié le génie de mon amour.
Et Aristo lui a fait un procès. Et moi de pouvoir. Pire, mon mari a été battu, ridiculisé et jeté dans une cage. Oui. J'en connais une qui doit être contente à côté de toi. Oh, mon cher homme, si tu redresses ce tort. On va voir un médecin, mets-toi sous antibio. Pour fuir la ville et tenter d'oublier cette épreuve. Si tu le libères. J'en veux pas, je m'en doutais. J'ai posé la question en connaissant la réponse, en fait. Putain, ça par contre ce système. Ah, d'accord. Faut libérer le mec. J'arrive. Ah bah il fait demi-tour, ce gentil ça. Merde, c'est le cheval que je capte. Vas-y, tourne-toi et ne me regarde pas. Merci. Frappe-le encore. Il l'a mérité. Vas-y, frappe celui-là après. Celui-là est sournois, attention. Méfie-toi, ses cheveux. Il a des poux. Oh non. Ah bah du coup c'est ça, quand il a des poux, Aristo gratte. Ah bien, bonjour. Clic-clac dans mon bureau. Ah bah voilà, comme ça tu quittes pas ton bureau. Tu es encore plus valeureux que le grand Achille. Tu vas épargner l'humiliation de ma rochée quotidienne. Achille talon. Achille talon. La hanche. Fais attention, je t'en prie. Crétins m'ont brisé la hanche et moi je le porte comme un vieux sac à patates. Ma femme ? Ah, la chère âme. Oui, il y a un bateau au port. Emmène-moi là-bas. Eudoros. Quel homme méprisable. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir écrit un meilleur livre que lui. C'est un livre sur le Nil, rempli de splendides descriptions. Je suis très doué pour les descriptions, en toute modestie. Alors déjà, quand on doit dire... Eudoros a autant pillé mon livre. Quand on doit dire en toute modestie, c'est qu'on n'est pas modeste. Il n'a aucune connaissance du Nil. Il serait incapable de décrire un hippopotame, même s'il en avait un sous le nez. Si les soldats nous trouvent, ils me tueront à coup sûr. Et ma chère femme, que deviendra-t-elle alors? Elle qui est la lumière de mon existence. Oh, c'est beau. Tu peux fermer ta gueule? Trop de crocodiles, a-t-elle dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais Eudoros devra répondre de beaucoup de choses. Ta gueule! Il le fera. Quand on pense qu'il battait un... Oh, tais-toi! La nouvelle génération de poètes alexandrins a l'air d'être d'une autre trempe. Ils savent prendre des risques. Salue-les pour moi, veux-tu? Il est de plus en plus difficile de produire des œuvres ici. Hein? Aristo, par ici! Le bateau est prêt! Nous ferons voile dès que tu seras à bord! Voilà. Ah bah ça va mieux ta hanche! Nous avons réussi! Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Je suis heureuse que tu sois libre! Il doit partir. Ils m'ont brisé la hanche! Les détails sont sans doute à tes trousses. Je vais fuir. Ma femme a réservé un passage pour la Crète. Nous rêvons de nous y installer depuis toujours. La vie sera peut-être plus tranquille là-bas. Puissent les dieux veiller sur votre traversée. À mes yeux, le devoir et l'honneur sont contradictoires. Mais tu incarnes étonnamment les deux. Si l'Égypte n'était peuplée que de gens tels que toi, la vie serait divine. Ok. C'est gentil, merci. Hein? Allez. Je fais une petite pause, je reviens dans 5 minutes, je suis... On continue, niveau 20, non. Bon, on va faire la quête principale. Le fil à Kitaï, il est où, lui? Il est là, ok, c'est ce qui me semblait qu'il était pas très loin. On va tuer monsieur le fil à Kitaï. Trobem pistem fonde. De udo ne prolisare.
s'est passé. Hors de mon chemin. Poussez-vous. Oh, les mecs. C'est les papas ici. Hein. On va passer par l'eau. Hop les. Oh, oh, oh. C'est pas dangereux du tout. Accra. C'est la garnison d'Accra. Non, pas là-dedans. Aider les rebelles. Alors. Ne bouge plus. Je bouge plus. Merde, ton pote. Non, mais c'est bon, on est en bon terme. Elle a tué un ami de la cour royale. À tes ordres, Filakita. Merde. Ah, c'était pas le truc le plus discret du monde. Non, merde. Non mais je suis pas là. Non mais je veux tuer le petit. Voilà. Mais comment ça? Aïe. Aïe. Mais non, mais esquive, esquive, esquive. Voilà. Ah. Ah. Et tous. Tada. C'était pas le truc le... Merde. Non, lâche-le, lâche-le. Merci. Confirmer la mort. Voilà. Oh, super. Pourquoi m'as-tu entraîné au pays des morts? Tu voulais tuer ma femme. Ta chienne de femme est une meurtrière. Ah, c'est pas comme ça que je vais te pardonner, mon J'ai gars. J'ai fait mon devoir de Filakitai. Et c'est pour ça que tu as pris ma vie. Oui. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay? Prends garde. Oui. Les Filakes te traqueront et se vengeront sans pitié. Ah, les voilà, les Filakes. Marcher à tes côtés. Le seigneur de la droite attend. Pouk. Ok. Et c'est à partir de là qu'on commence à se faire poursuivre. Super. Les Filakes vous recherchent, ce sont de puissants chasseurs de primes qui vous attaqueront à vous. Voilà, merci. C'est là que ça commence à être la merde. Ah, pardon. Lui là-bas il est très con, il m'a dit hey, il ne bouge plus et maintenant il s'en fout. Non c'est pas moi, je suis pas là. Je suis prêt. Salutations à toi. Non c'est bon, tu te libères tout seul, ok. C'est gentil. Merci. C'est une genre outil. Je suis pas assez fort. Fuyons. Mais le mec, tu le libères, je suis pas assez fort, fuyons! Bah non. Hey. Non, c'est pas moi, je suis pas là. Oh mon dieu! Quoi? C'est ça! Hey.
Aïe. Ah, mais quoi? Mais ils sont combien? Ah merde, c'est le Capitano, lui. Ça va. Avec ces armes-là, c'est plus facile. Aïe. Bon, tu veux bien m'attaquer? Non. Tu peux pas faire trop fort. Ok. C'est pas ici. La fendeuse de crâne. Ça va aller plus rapidement comme ça. Hein. Et rien. Merci. Okay. Voilà, tout le monde dehors. Même pas capable de regarder un acteur en face. Bonjour. Allez, chargez. Ça, ok. Ah oui, ils sont en train de se battre, ça y est. Il était temps. Là, il y a un trésor. Là, il y a... je sais pas quoi. Non, ce que je cherche, c'est le capitaine. Ah, il est là. Il est là. Non, 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 tu vas pas allumer le feu. Enfin, remarque, je l'ai piégé. Aïe, aïe. Ok. Attends, qui est méchant, qui est gentil, là? Ah. T'es gentil? Non, toi, t'es méchant, toi. Ah! Eh ben, vas-y. Avec plaisir. Putain. J'espère que tu vas bien au même feu, hein. Ah! Je l'ai pas vu arriver. Oups. Que je le refais lui. Non, bah du coup, je vais pas le refaire tout de suite. Quête et la fin du serpent. Ça c'est les DLC, ça. Ceux qu'on ne voit pas et la malédiction des pharaons. OK. Ça loupe de la carte encore. On va savoir. Partez ! Allez ! Ils ont voulu trop retranscrire le côté grand, en fait. Chaque quête est toujours à 2-3 minutes de marche, et j'avoue que c'est un peu long, des fois. Là, tu vois, par exemple, un truc où tu pourrais taper sur ton le cul de ton cheval pour qu'il avance un peu plus vite. Surtout qu'en ville, ils sont moins rapides. Ils ne galopent qu'en ville. Suivi de retard. Merci le jeu. Le jeu qui est d'une gentillesse. Vas-y, je suis la route. Au bout d'un moment, suivi de route indisponible. Vas-y, par là. Après, c'est normal, ils ont voulu faire un grand jeu. Donc, ils se sont dit, on va aller faire se balader. Grand et rien, effectivement. En dehors des villages, c'est vrai que c'est vide. Je peux tirer avec ça? Non. Non, je peux monter dessus, mais non. Chut. Voilà, merci. Déjà, c'est la petite musique qui se lance à chaque coup. Tan nan nan nan. Tan nan nan nan. Oui, mais...
Je veux récupérer ma flèche qui me manque. Hey, derrière lui. Chut. Je pense que c'est pour ça que Valhalla déçoit aussi. Hein. C'est le côté grand, mais en même temps vide. Ah merde, il est au-dessus, surtout. Ah. Est-ce que vous avez un escalier, ici, ou... Ah, là. Oui, petit tapis rouge, hein. Tout va bien. Tout est normal. Merde, pour le piaf. Voici les quartiers du le règne de Ptolémée tel que décrit par le scribe royal. Ok, oui. Objet requis. C'est ah. Verrouillé. Where is the clé? Ça doit être important. Ah, il y a une échelle là, ça veut dire une que... Une échelle. C'est-à-dire que par là... Voilà la clé. Non? Ou au-dessus? Là-bas, ok. Je pense pas que je vais finir. Moi, je le ferai pour le plaisir. Non, pour le fait de faire tous les jeux de la saga. Oh, qu'y a-t-il caché dans ce coffre secret? Donc, en Égypte, ils faisaient des serrures plus costauds dans le futur parce que un coup de lame, ça suffisait à ouvrir hein, avec Ezio. Un double fond. Tu me donnes envie de dire une lettre. Très cher Ibis, le pharaon demeure docile. Il reste notre marionnette en toutes choses. Agis avec prudence, Asiwa. Le meurtre du héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. C'est long comme jeu, ah oui. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. C'est Genadios pour ça qu'il va y avoir un tout petit peu d'heures de stream sur le jeu. Nous louons tes efforts, Ibis. Longue vie. Ouf. Marqué du sceau du serpent. Scribe royal et le serpent. C'est Eudoros. Comme c'est étonnant. Aya a dit que la gueule du mec, toi. Elle est souvent au bain. Je vais aller tuer ce nez qui est diadète de Doros. Tiens, bonjour. Ah, mais aïe. Attends, attendez, je me roule dans la fange. Aïe. Le système de combat a quand même bien été amélioré à Odyssée. J'ai rien contre le système de combat de jeu, mais... C'est légèrement flou des fois. Bon, je me casse de là. Ok. Donc c'est une accélération sur celui-là. Okay. Oh. Lequel? Je sais plus ce que j'ai dit. Aïe. Oh. J'aime bien comment il passe en mode ragdoll dès que... Aïe. Dès qu'il meurt. Le truc jaune que seulement une attaque. Ouais. Je vais aller tuer ce nez qui tient. C'est bien le poison, ouais, complètement. Bonjour. Merde, il y a un gros derrière. Merde, il me vient. Oh, non mais je m'en vais, t'inquiète. Te voilà. Oh. Aïe. Arrête.
J'ai du mal à utiliser le bouclier par contre, c'est fou hein. Pourtant c'est utile. Bonjour. C'est bon, je peux partir sans me faire emmerder. Oh putain. Ah bah non. Allez, frappe-toi. J'utilisais jamais... Ouais, mais du coup, quand tu... Quand un mec, il t'attaque avec une grosse attaque, t'es content de l'avoir quand même. C'est bon, vous allez me lâcher le fion. Oh putain, il y a de l'eau partout. Bon bah. Je sais pas viser. Ah bah voilà. Faut s'entraîner. Tout vient en s'entraînant. Attends, deux secondes, parce que j'ai mon PC qui aime pas trop l'eau. Je vais rechanger un tout petit peu, deux, trois trucs. Détail des textures, ça j'ai pas besoin. Fouillis. Terrain, tessellation, la laisse. L'eau. Alors on va faire ça. Reflets spatiaux, là. Nuages volumétriques. On va Je soulage un peu mon PC, hein. Merde, le jeu redémarre, quel con. J'ai vu le message qui me disait le jeu doit redémarrer et j'ai cliqué. Bon. C'est pas grave. Ça se relance. Ça devrait s'afficher. OBS, wouhou. Merci. Tant qu'OBS reconnaisse le jeu. Non, parce que mon PC, j'avoue, jouer plus streamer, plus avoir les trois écrans surtout. Je vais pas dire il commence à galérer parce que c'est faux. Il tourne du 60 fps très bien, mais voilà. Ouais. Aya a dit que le scribe royal allait souvent au bain. Alors, est-ce que je peux m'y TP? Ah bah oui. Ouais. Des fois il fatigue un peu, ce qui est logique. Hein. Je lui en demande beaucoup. De façon régulière. Alors, allons au bain. Ça me dit quelque chose, le coup du serpent dans le bain. Je pense que c'est une quête. Parce qu'il me semble que là, il va y avoir de la brume partout, parce que c'est un bain, et en fait, tu vas passer par en haut. J'ai un souvenir comme ça. Où c'est possible de passer par en haut. Surtout ça. Ah, voilà, la brume partout. Donc ça, j'ai déjà fait. Ça me dit quelque chose. Et c'est ça, moi, j'étais passé par là-haut. Donc, voilà. Adoro s'est revenu. Je le plains. Les douleurs de sa maladie de peau ne lui laissent aucun répit. Sympa. Le gros tout moche. À votre goût, seigneur. L'eau est bien tiède. Cet endroit est très bien gardé. Pff, très bien gardé, quick, voilà. Oh,
Garde! S'il appelle des gardes, je suis dans la merde. Ah, c'est pas là qu'il se coupe le doigt, ce con? Si. C'est ça. Ah bah si, c'est là qu'il se coupe le doigt. Meurs et disparaît à jamais. Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est là. Toi qui as tué mon fils sous mes yeux. Tu n'es qu'un fou. Au temple, à Siwa. Ce sinistre trou à rat perdu, je n'ai rien à voir avec oh, ce non. Désastre. Quelle horreur. Il est trop tard pour mentir. Anubis, t'attends. Ce qu'il y a, c'est que Bayek, ils en ont pas fait un mec. Ils en ont pas fait un mec trop. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Ils n'ont pas fait un mec trop baraque. Le serpent? Le serpent ne mourra jamais. Ah bah bravo. Il n'a pas des hallucinations cheloues. Le seigneur de la droite attend. Je sais pas ce qu'il prend, mais je veux pas prendre la même chose du tout. Hein. Pardon, je mettais mon portable à charger. Voilà. Et il est con. Il a été tué. Ah, bonjour. Regardez tout ce sang. Pourtant, il était si bon. Théodoros, oh le bon. Pourquoi vous avez des armes et pas moi? Putain, il va être combien ces cons? C'est lui que je visais. Je suis toujours là. Quoi qu'il lag ou non? Ah oui, c'est moi. Attends, mon PC est en PLS. Oui, oui, on a du image par image. Moi aussi. Enfin, moi aussi. C'est bon, l'encodage est reparti. Le PC a pas aimé que je branche mon portable. Ah non, l'encodage est en surcharge. Oups. Le PC a chaud. Voilà. Le PC a très chaud. Je vais quitter tout ce qui... Il n'y a pas besoin... Ventile-le. Mais il est à fond. Il a tous ses ventilos d'allumés. Il fait un peu chaud dans la pièce. Là. Je vais lui ouvrir sa vitre. Ouais, la carte graphique est brûlante. Je vais ouvrir la vitre sur le côté, on va attendre quelques petites minutes, voir ce que ça donne. Et là en même temps, oh ça va, il fait 28 et il y a pire. Mais les ventilos s'ouvrent du très chaud. Regarde quel con, je mets mes doigts dans les ventilos. Je vais garder mes performances sur le côté, voir ce que ça donne.
je bouge un peu ça. Mais j'ai OBS qui me dit en codage en surcharge, hein, donc... Ouais. Le PC a très chaud, et moi aussi. On va tout passer en moyen. Voilà. On redémarre le jeu un coup. Sinon, c'est que là, le PC a trop chaud et... Et il est mal éteint. Parce que j'ai pas... J'ai pas dans le coin mon petit ventilo que je peux remettre par-dessus pour qu'il refroidisse. Donc OBS se met pas en surcharge déjà, ce qui est pas mal. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Et tout est brûlant dans le PC là, hein. Je peux pas y mettre la main. Que j'achète, je pense que je le passerai en comment dire, je vais y arriver, je le passerai en aqua cooling, en water cooling, mais un neuf, je pense qu'il cuit là. Sur la carte graphique, globalement, je ne peux pas même poser mes doigts, je suis assez résistant à la chaleur. Aïe. Je vais surveiller. Il était si beau, non. Ça a l'air d'aller. Ça tire moins surtout. Quitter le conflit. Ah, bien. Bon, ça tient pour l'instant. Ils sont 5. Mais t'es qui toi? Pourquoi il peut pas se battre avec sa putain de lame? Tiens! Pourquoi t'es pas repassé par en haut? C'est pas faux. Bon bah ce coup-ci je repasse pas en haut. Merci de l'info qu'on pouvait repasser par là en fait. Eudoros, tué. Dans Eudoros, il a été tué. Regardez tout ce sang. Pourtant il était si beau. Ah bah arrêtez de dire qu'il était beau, il était dégueulasse. Oui. Vite, je veux me rhabiller. Ah oui, vas-y, écoute. Terrisse-toi la plaie. C'est pas con, mais... c'est violent, quoi. Et voilà, on a un doigt en moins. Oh, il a eu le temps de se mettre un petit pansement, c'est mignon, ça. Ah oui, la récompense de la tenue. Je vais pas l'utiliser, cette arme. Assassiner Genadio, c'est aller voir Aya au Panéon. Ah bah, let's go. Là aussi. Putain, l'encodage repète. Non, je pense que le PC surchauffe trop, là. Ouais. Je vais m'arrêter là, du coup. Je suis désolé, mais là... C'est hors de ma... C'est hors de mon contrôle, on va dire. Je m'arrête là.
Je vais trouver un moyen pour pouvoir refroidir le PC beaucoup plus facilement. En fait, sur 2 heures, il est monté en chauffe et du coup, et ben voilà. On continuera ça un autre jour. Merci d'avoir été là. On se retrouve je ne sais pas quand parce que mardi, je risque de ne pas être là. Par contre, c'est bizarre, j'ai quitté le jeu, j'entends toujours le son du jeu. Ouais, le PC est en train de m'abandonner, je pense. Il y a encore le fond de son du jeu. Bref, allez, voilà, allez, c'est coupé. On se retrouve donc possiblement mardi soir, pas à l'heure, ça c'est sûr. Et voilà, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Salut !